Edouard ne s'étonne pas, arrange-toi pour que toi tu sois étonné. Et là, il arrive, ok, parfait. Bon, écoute, c'est le déroulement que je t'ai dit. Tu t'assis là, mets ton côte là, tout est parfait. Toi, viens avec moi. Ok, stand by. Le victime arrive. Oh, ouais, prends toi. Merde. Salut, Edouard. Ça va? Non, je m'assure là. Ouais? Excuse-moi, Raymond, mais on est en retard. Je te présente mon ami que j'ai été chercher. Pierre, Raymond Rougeau, futur lutteur. Tu vois, un peu la corpulence, regarde un peu. Ouais. Alors, je voulais te le présenter comme tu as l'occasion d'aller aux États-Unis un peu plus souvent que moi. Et puis, tu connais très bien Pat Patterson, alors j'aurais voulu que tu glisses un mot parce qu'il a une bonne carrière, tu vois, d'avoir la corpulence de, ouais, de ce moment-là. Voilà. Déjà trois professeurs, tous les samedis et dimanche au centre Claude Robillard. Ah, et il a l'étoffe et puis il veut. Très bon professeur. Merci, merci. Non, mais d'un seul coup, l'idée, je dis, tiens, je vais aller chercher Pierre, je vais aller le chercher et je vais te le présenter. Comme tu as toujours été impressionné. Pierre, vous êtes des bons amis. Ah, ouais, on vous fait un bon bout de temps. On se connaît. Je vais revenir dans une minute, je vais aller à la toilette. Vas-y. Je crois que le verre va aller. Si elle est, tu dirais que je peux partir loin. Pas mal bien comme un endroit, ça. Il était pas supposé tout ça. Il était pas supposé tout ça. Ben oui. On va faire avec. Il était pas. Tu connais-tu le verre, toi? Non. Non. Moi, j'ai mis Edouard Raymond, puis. Moi, je trouve qu'il est trop vieux pour commencer dans l'œuvre. Hein? Je trouve qu'il est trop vieux pour commencer dans l'œuvre, en tout cas. Si c'est un élève Edouard. Ok, tu vas faire, on va écouter moi ce qu'il dit, là. Il fallait la réaction, tout ça. Mon, il est bien. Mon âge, je veux dire, oui, un problème. Il a raison. Ça veut rien dire. Il a raison, hein. Ça veut rien dire. En tout cas, je te remercie beaucoup, Dodo, de m'avoir proposé ça, de me donner un coup de main. T'as pris, c'est pas mal. C'est pour moi le charme. Je sais que ça fait plaisir. Bon, je sais pas si des fois Raymond arrivait, tu sais. Vu qu'il n'y a pas grand monde. Tiens, quand même, ça va être respecté un peu. Ailleurs, tant que tu voudras, mais pas ici. Reviens, c'est ça, c'est bon. Toujours, j'ai fait mon possible. Je te remercie. J'ai vu que tu avais un œil sur lui. Ouais, c'était un assassin un peu. C'est un beau petit mort. Écoute, de toute façon. Non, mais es-tu comme ça? Ben, je pense pas. Non, de toute façon, ça fait 20 ans. Tourne-y. Essaye de le faire parler. Pourquoi toi tu l'as mis ici, tu sais? Parce qu'à date, c'est surtout lui, on dirait qu'il veut te plugger son. Ben oui, c'est ça. Mais toi, dis-y, en tout cas. Robert n'est pas encore arrivé, mais tu vas voir, c'est beau pour ça que tu ça. Il fallait parler là-dessus pour voir si ça l'intéresse. OK? OK. Si il y a quelque chose de toute façon, là, je te fais au téléphone. OK. Il est accroché, il y a rien. OK. Est-ce que tu dis... Oui, alors, Raymond? Oui. Toujours pas de nouvelles de Robert? Non, mais je vois bien qu'il va arriver. De toute façon, je vais te parler un petit peu de son idée, Robert. La raison qu'on est ici, c'est qu'il y a un projet à télé. Et là, ça fait combien de temps que vous connaissez? Ça va faire 8 ans, là, en novembre, on se connaît. C'est ça? Oui. Ça, c'était l'homme, puis il m'en a montré des affaires. C'est-à-dire, je l'ai toujours gardé peut-être. Puis il n'est pas brutal non plus. Il le monde, puis ainsi. Oui, il est très patient. Ah, ouais, très patient. Patience. Hors les mains. Franchement, c'est ça qui m'a épaté en lui, tu sais, au niveau, là. Contact là, humain, là, bien sûr. Pas mal de surprenant. Oui. C'est spécial. Oui. Oui. Je sais pas, Robert, qu'est-ce qui arrive avec ça, là? Il m'a dit qu'il serait ici. Je vais appeler aujourd'hui. D'accord. Surtout que là, pour remercier, vous en avez tout vert. Oui. Ça fait du bien. Merci. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien, écoute. C'est politique, ça. Oh, je ne veux pas parler de ton fond. Approche, assis-toi, c'est tout. Edouard, ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu
toi au niveau là, de la rupture, bien sûr. Es-tu sérieux? Écoute, je t'ai déjà dit de prendre contact. Qu'est-ce que tu m'as dit? Dans l'intimité, on pouvait, aujourd'hui, on ne peut pas. Ouais, c'est parce qu'il n'y a pas grand monde, ouais. Mais es-tu sérieux? Oui, je suis sérieux. C'est fini, c'est terminé. Même après 8 ans de on ne peut pas dire de vie commune, mais... Y a-tu moyen de négocier? Non, il n'y a pas moyen de négocier. C'est terminé. Donc, je voyais deux, trois fois par mois. Non. Okay. C'est terminé. On pourrait mettre ça une fois par mois. Non, c'est terminé. J'ai besoin de toi, moi, là. Non. Il y a besoin de lui. Ne crois pas que j'ai un kick sur Raymond. Moi, je vais même te dire une chose. Personne ne sait. Il y a 8 ans passés, non, il y a 15 ans passés exactement. À Hull, je lui ai même envoyé des roses. Ça lui a envoyé des lettres. Ça venait des fleurs. Semaine après semaine, je voyais sa réaction, puisque c'était moi. C'est vrai? Et puis, sa réaction était vraiment négative, il ne voulait rien savoir. Alors, j'ai eu un grand amour avec lui. Il n'y a pas eu d'amour avec moi. Il n'y a pas eu d'amour avec moi. C'est pour ce qui avait envoyé. Je savais que c'était un admirateur. De plus, c'est terminé, je sais que ça va te faire de la peine. Tu me brises le cœur. Ça me fait de la peine à moi aussi. Doudou. Non, ça fait dur. Oui, Pierrot. T'as toute la vie devant toi. Moi, la vie, elle se termine. Ça se fait pas. Écoute, on a une gagne à faire. Si jamais, de toute façon... Il fait dur, en grève. De toute façon, Gabriel. C'est dur, Gabriel, le matin, tu le gagnes. Oui, je sais. Il t'approche celui de lui dans la vie. Non, j'ai trop respect. On a toutes les choses. On a toutes les choses. Alors, toi, laisse tranquille avec ton secours, là. Bon, OK, de toute façon, écoute, on va faire un affaire. On oublie ça, OK? On continue sur notre gamme, OK? Mais là, tu me prends un cul, j'espère que t'es pas de main, toi, avec. Ah, non, non, mais... Tu m'as demandé la photo de ma gueule, là. Non, prends ce coup, là. Prends ce coup, là. C'était un bon temps pour Crasseur. Ça fait 20 ans que je le connais. Là, il sort, fait qu'un autre affaire. Ça va être un bon gars, j'ai pas là-dessus. OK? Allez, c'est bon. Fait que là, j'ai perdu mon téléphone. OK, alors, ce que je te dis, c'est Robert Fournier, moi, il est parti, il est là dans 5 minutes. Fallait jaser de choses personnelles. Il y a un char, il y a un chien. Ah, OK, pas de son chien. Il y a un chien. Il y a un chien. Je vais en anglais le regarder. Bon, j'ai parlé à sa secrétaire. Il devrait arriver d'ici 5-10 minutes. Il est parti. Oui. T'as parlé à sa secrétaire et puis elle t'a dit... Il a téléphoné à sa secrétaire? Il est en chemin, là. Eh oui, Renaud. C'est la vie. Ouais. C'est la vie, les gens arrivent en retard et puis... Ton chien, comment est-ce qu'il va? Il va mieux. Il va mieux. Si tu suis bien de même, comme ça, il voit rien. Il s'entend pas. Non, je dis ça de même. Il a fait du diabète et puis là, on est en train de le soigner pour le diabète et puis il a perdu la vie. On a espoir de... Une fois que le diabète s'est stabilisé, il va retrouver la vue. Il va retrouver la vue. Je le souhaite. J'adore les animaux. Tu vois, je suis pas comme toi, je ne pourrais pas les tuer. Je suis trop sensible. Quel sort de chien? Un setter irlandais. Setter irlandais. Un héros, là? Oui. Oh, ouais. Un setter irlandais. Mais, ouais, en tout cas, j'ai hâte que Robert arrive. Jean-Claude Kelly, il est en retard. Oui. Je ne voulais pas que ça manque de décoration, ça. Il y en a un peu, mais moi, c'est drôle, dans le temps, quand je travaillais à Hull, on mettait tout le temps des roses en plein milieu de la table. Ça va, c'est le même. Des roses. C'est manque de fleurs, il manque de tout ça de drame. Hein. Des roses. Quand tu n'étais pas là, on a parlé de lutte, on a parlé de rose.
changé donc, depuis 8 ans. C'est quoi, c'est quoi, passé, donc. C'est quoi la serrure? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Aucune idée. C'est quoi ça? Je sais pas. Je sais pas. De voir, faut que je te dise quelque chose, là. Oui? Rougeau? Oui? Oui, téléphone, t'as tout téléphone ici. Germanie. Ah, j'espère qu'on termine notre histoire. Oui, oui, oui. Ah, ouais. On va la terminer. Oui. Je n'aurais jamais dû parler de ça ici. Moi, bon, je venais de venir y parler, je savais plus, je t'ai bloqué. C'est pas grave, approche-toi, là. Il n'y a pas moyen de... Non, c'était fini. Ok, les boys, je pense qu'on va être... Parle plus. Je suis un homme respectable, je suis marié, j'ai des petits-enfants. J'ai 65 ans quand même, écoute. Ben ouais, tu devrais comprendre. Tu me rends... Héros, écoute, tu devrais... Ils font du... Oui, tu peux encore faire ta vie, tu peux trouver quelqu'un. Quelqu'un de plus jeune que moi. Ça, c'est une oui, ça serait bien d'être un homme plus jeune que moi. Écoute, il faut quand même rester. Non, mais c'est pas pour lui. On verra, mais il n'y aura plus de relation entre nous. C'est fini, les relations. C'est une brise de cœur. C'est une brise de cœur. Qu'est-ce que t'as dit? Par respect pour son oncle, par respect pour ses, pour son oncle, Johnny Rougeau, non. Bien, comment il déclare? Famille, c'est tout ça. Hein? Tiens, comment il déclare? Monsieur Rougeau? Non! Ouais! Ouais, ça va prendre des bons, Rougeau! Il est là, là!